Viens voir ça. Quoi? Eva, viens voir. Tu penses. Il pousse trop, ça me dégue. Bah, c'est normal. Quoi? Tu penses, on va, on fait ça là, en vacances? Non, Mais il faut qu'on le fasse, c'est le truc de ma mère. Pourquoi tu me poses la question alors? Oui, mais genre, c'est pour que tu dises oui. Ah bah non. Non, en vrai, viens te coucher avec moi là. Mais qu'est-ce qu'elle a? Viens, on se met un film où on regarde pour les vacances. Non, c'est. Si, viens. Non mais c'est pas possible en fait là. Je suis saoulée. C'est quoi ces sourcils là? Bah, tu te les coupes. Mais je l'ai fait il y a une semaine. Bah oui, c'est normal que ça pousse. C'est pas possible, elles sont en train de gaver. J'ai mis de la truc, ça se coupe pas. Non, mais je Mais de toute fais. façon, on va rester à la maison aujourd'hui, Et t'inquiète alors, c'est pas. juste moi quand je me regarde, j'aime pas. C'est quoi ça là? Qui leur a demandé d'être là? Vous êtes. Voilà, là, ça c'est quoi ça? Ça me Bon, tue. allez, viens. Laisse-moi! Qu'est-ce qu'elle a? Je fais mes trucs. Viens avec moi. Bah, faut que tu viennes regarder pour les vacances. Celui-là, il me dérange, mais il va me faire trop mal. Il va me faire trop mal! En plus, j'ai lavé le miroir. Bon bah écoute, je vais la garder toute seule pour l'instant. Non, mais c'est horrible. Je reviens. Où est-ce que tu vas encore? C'est rollo. Elle me saoule. Enfin! Agadé, Oh fais gaffe, mon chewing-gum il est agadé. tombé tout à l'heure. C'est bon. Bah et toi tu le Je ramasses pas? sais. Bah oui mais j'ai essayé, je le cherche pendant 1 heure, je l'ai pas trouvé. Pendant 1 heure, ça doit être ça. Bah c'est vrai. Ça doit être J'ai fait ça. une bulle comme ça, j'étais comme ça. J'ai fait une bulle. Te connaissant, t'as pris 4 chewing-gums Et en ça a plus. fait. Bouf. Et c'est tombé à ta place, en fait. Oh mon dieu, regarde comment on était. Comme une film de près. Sais que je savais même pas qui c'était. Bah, sous le vent. Céline Dion, Jean-Jacques Goldman. Sous le vent. Sous le vent de quoi? Bah. Égalité. Le mytho. J'ai vraiment gagné. C'est ça. Enfin, j'espère que c'est sur Jean-Jacques Goldman, sinon c'est trop honte pour moi. C'est pas du tout. Jean-Jacques Goldman, c'est Garou. Mais si je connais Jean-Jacques Goldman. Si je t'emmène au vent. J'irai où tu iras, voilà. J'irai où Non. tu iras. Mon pays sera toi. Qu'importe la foi. T'as toujours pas fait tes ongles? Demain. Tu dégoûtes, Voilà. J'ai pas les rendez-vous, je peux les rendez-vous. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Trop moche. Oh là là, moitié de voir son 11. Ouais, où tu iras? J'en ai Mon pays sera marre. toi. Non, en vrai, trop, mon chewing-gum, parce qu'il sait, il se colle au lit et tout. Ça va être chiant. Hein. Fous-toi de ma gueule. Quoi? Fous-toi de ma gueule. Quoi? Me dis pas que. Fous-toi de ma gueule. Non, me dis pas Non, ça. vas-y, je t'en prie. Tu vois? Non, mais y a rien. Négine. Attends, attends, attends. Vite! Oh. Mais je t'ai dit de faire attention que mon chewing-gum il était tombé. Ah, mais comment tu veux que je fasse? Ah, tu veux que je te coupe les cheveux? Attends, je vais te les couper. Mais essaye de voir. Oui, Diana, qu'est-ce qu'il y a? Viens, viens. Elle a coincé un chewing-gum dans ses cheveux. Je t'ai dit de faire attention. Mais tais-toi! Tu Quoi? laisses les chewing-gums dans le lit, toi! Mais je l'ai pas trouvé, il s'est collé à tes D'accord. cheveux. Là, tu disais viens dans le lit, viens dans le Mais lit, hein. n'importe quoi. Allez, coupe-le maintenant, Negin. Je Ah, rigole ça me plus. dégoûte. Je Mais rigole plus, je vais cheveux. pleurer. Là, si je te les coupe, il y aura tout Allez. ça de tes cheveux qui vont être Tant coupés. pis, tant pis. Allez, Ah Marlich, ouais? vas-y. Oui! Putain, je rigole pas! Ah bah laissez-les, J'ai pris Diana. cheveux. Mais oui, c'est un Allez. prank! Mais non. Allez! Mais putain, Diana, tu fais quoi? Vas-y, Diana.
Là, là, tu le sais en plus. Mais calme-toi. Non, 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 il n'y a pas à être aveugle. Il est où le ciseau? Là, là peut-être. Voilà, t'es aveugle. Et en même temps, tu es dans le ciseau. Ramène plus vite, ramène. Allez, toi, coupe, arrête de dire ah. Ah. Attends, déjà, je vais couper ici. Je le tiens coupé. Ah, ça me dégoûte. Je suis en train de couper tous tes cheveux. Oh. Ah mon dieu. Ah. Ah mais tu coupes pas bien. Ah. Non mais donc tu fous moi. Il me reste plus de cheveux là. Mais oui, je t'ai dit. Je t'ai dit, viens, on trouve une autre solution. C'est quoi la solution? Bah c'était de mettre du coca. D'accord. T'as vu ça sur quoi qu'il te reste, ma puce? Non, sur TikTok j'ai non, vu. Non, non, prends la vraiment la guinée sur la page. Tu vois là, c'est chaud. Après, si tu mets tes autres cheveux par-dessus, ça te verra pas. Va voir dans le miroir. Fais gaffe. Oui, je te coupe l'étiquette. Ah. Mais t'as mis le ciseau sur ma gorge, t'es folle. Qui est fou comme ça? Ah, Gala, tu m'as tiré des cheveux. C'est bon, laissez-moi tranquille. J'ai plus envie de vous parler là. Vous m'avez saoulé. C'est ta faute. Non, c'est moi. D'arriver. C'est pas de ma faute, je te l'ai dit. Mais non, c'est de ta faute. Je t'ai prévenu. Quand on cherche dans ce gars pour le sort jusqu'à le trouver. Bah oui, mais je pensais qu'il était pas là du coup. Ah ouais, où? Où? Il est allé où? Il est allé où? Vas-y. Hein? Il était allé où alors s'il était pas là? En vrai, il était tombé par terre quoi. D'accord, Negin. Ah, désolée, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais aller dire à maman, tu vas voir. Ah, mais ça se voit trop par contre. Mais ouais. Est-ce que je t'ai demandé de parler? Bah non, mais ça se voit énormément. Tes vieux cheveux. Tu vas aller voir maman, tu vas voir si je vais pas le dire. J'ai des fous, vous, dans cette maison. Mais tu vas même pas dans le miroir, t'es bizarre. Où je vois pas. C'est quoi ça là? C'est quoi? Ça repousse. J'avoue que ça se voit, c'est bizarre que ça se voit autant. Ah, c'est bizarre, hein. La fille m'a coupé les cheveux jusque-là, c'est bizarre que ça se voit. Je pensais que ça allait repousser. T'as cru que j'étais réponse? Mais tu veux pas ouvrir tes cheveux comme ça, on voit ce que c'est? Non, j'ouvre pas mes cheveux, non. Au moins, parce que quand j'aurai ouvert mes cheveux, ils seront tout dessous. Réfléchis. Bah, je crois pas. Hein. Bah, si, ils sont là. Si je mets hop mes cheveux dessus, on les voit plus. Mais c'est attaché. Moi, je m'attache tout le temps les cheveux. Bah, du coup, tu peux même pas faire de chignons. Moi, je préfère faire des chignons. Je ne fais pas de chignons. Je fais plus de chignons. T'en fais toujours. T'es ma sœur, tu sais pas. Negin, arrête de parler, s'il te plaît. Vraiment, t'entendre, c'est plus possible là. Regarde tout ce que tu m'as coupé. T'aurais pu couper juste ça. Bah, non, parce que ça, c'était en dessous. D'accord, Negin. D'accord, Negin. Bah, oui, c'était une d'accord. Grande mèche, je pouvais pas couper. En fait, tu m'as dit de venir. Hein. Tu m'as demandé de venir dans le lit juste pour que je m'attrape ça dans les cheveux. Bah, non. Ah bah si, clairement que si. Non, c'était clairement pour te montrer, ça, en fait. C'était pour te montrer les vacances. Ouais, tu me les as bien montrées, les vacances. T'étais en train de regarder ton panier Zara. Bah oui, mais je te l'ai dit. Non, mais là, par contre, c'est en train de m'énerver. Je te l'ai dit, fais attention, il y a un chewing-gum, c'est toi qui as pas voulu. Fais attention. Purée, mais t'es un animal ou quoi? T'as mangé combien de chewing-gum? Un chewing-gum, c'est ça de taille. Mais bah, c'est pas ça. Au début, j'en ai pris un. Après, il est parti. On en prend deux. Mais tu le jettes et t'en prends un deuxième. Je savais pas où le jeter. Dans le lit, tiens. Mais pourquoi c'est pas moi qui l'ai jeté dans le lit. Pourquoi c'est pas? Parce que vu qu'il était énorme, j'ai essayé de faire une bulle et ça a fait bouf. Et c'est parti, après je l'ai plus retrouvé. D'accord, mais bah, c'est vrai. En tout cas, là, tu l'as bien trouvé. Bah ouais, là, du tu coup, l'as c'est retrouvé. Bon. Tu vas le remanger, je te le dis. Hein. Bah, je vais pas le manger. Tu vas le manger, hein. Ah, mais ça me dégoûte, moi. Ah! J'ai perdu des cheveux, mec. Tu dis que ça te dégoûte, là? Ouais, ça me dégoûte. Bah, tu vas aller me payer une extension, tu vas aller me faire un truc. C'est... Mais oui, bien sûr. Ah, bah c'est hors de question que j'arrive comme ça, sinon je te jure, je te rase la tête cette nuit. Tu te réveilles, tu ressembles à Philippe Etchebest, à Monsieur Propre. Je rigole plus, hein. Pascal, le grand frère, là. J'ai rien. Tu vois son crâne luisant, là, je vais être comme lui. Negin, la grande sœur. Tu veux? J'ai pas fait exprès. Mais Gabé, c'est quoi cette famille? Non, mais à quelle heure on coupe les cheveux des gens maintenant? C'est une mode? À quelle heure qu'on te dit fais attention, il y a un chewing-gum, tu fais pas attention? Mais à quelle heure qu'on jette un chewing-gum dans le lit? Je l'ai pas jeté. D'accord, moi j'aurais fait ça, tu m'aurais dit non mais t'es malade ou quoi? Tant que tu retrouves pas le chewing-gum,
Tu le cherches. J'étais en train de le chercher encore. Tu n'es pas en train de le chercher. T'es une menteuse. T'es une grosse menteuse. De toute façon, le karma te rattrapera. T'inquiète pas, ma puce. La roue tourne. La roue tourne bien. Bah, j'ai rien fait. C'est elle. Elle s'est fait des trucs. C'est toi. Mais oui, c'est moi. C'est de ta faute. Si j'ai pris chez l'homme, je te l'ai collé sur le crâne. Ouais, bah ouais. Oui, bah ouais, oui. Je crois bien. Vas-y, dégage. Tu l'avais mis. Dégage. Dégage. Oh. Elle a raison, on l'a coupé trop quand même. Mais je pouvais pas couper moins que ça. Parce qu'en gros, ça c'était ça, toute sa mèche. Donc en fait, le chewing-gum était en haut. Donc il fallait que je coupe de en haut pour. Voilà, ah, et mais... en bas il y avait rien. Mais je pouvais pas. Ça veut dire que t'as pas coupé de ici, t'as coupé de ici. Bah, j'ai coupé comme j'ai pu. T'as coupé de ici. Donc ça veut dire, par exemple, là. Non, c'était pas comme ça, c'était de l'autre côté. Comme ça, toi. T'as coupé ici. Non, c'est de l'autre côté, je te dis. Non, non, non. Vas-y, jette-moi ça à la poubelle, là. Diego, c'est non. C'est ton chignon, tu ne peux pas te mettre. Bah, c'est pas mes cheveux, en tout cas. Mais vas-y, ramène-moi un mouchoir, quelque chose. Je peux plus me voir, ça. Ça me dégoûte. Soulé. Tiens. Merci. Merci. Ah, bon, allez, hop. On va acheter ça. Eva! Viens. Mais alors, elle est suce de moi. Mets ça à la poubelle, non. Là, ça me dégoûte. Tu te prends pour qui? Non, tu m'appelles pour que je mette mes cheveux à la poubelle? Bah oui. Mais t'as vraiment aucun respect. C'est dingue. Mais tu veux qu'on le laisse ici? Bah non, mais tu veux dormir avec? Tu vas le faire, en fait. C'est ton nouveau doudou. Non. Non mais tu veux, si tu veux, tu dors avec, tu fais ta vie avec, tu te maries avec. Non mais tu vas aller jeter. Tiens, je n'irai pas jeter ça. C'est hors de question. C'est toi. Tu veux le garder? C'est toi qui vas le jeter, c'est pas mais moi. Mais c'est bon, t'es debout, frère. Vas-y, non, jette. C'est moi, je suis en train de me mettre dans la tête que j'ai plus de cheveux en fait. Voilà, bon allez, j'essaie de. C'est mon habitude à elle. Regarde. Ouais, essaie de jeter là-dedans. Ouais, super forte. Allez. Non, arrête, mais... ça va tomber, mais jette-le là-dedans dans le sac. Merci Diana. Allez. Pépito. Oui. Son pépito, on va lui coller un chewing-gum dans le cul aussi. Non, l'oreille là, dans ses grosses oreilles. Je sais pas, je suis française, j'ai des grosses oreilles.